Soit une suite UN définie par la relation de récurrence, c'est-à-dire qui relie UN au terme qui le suit UN plus 1. UN plus 1 est égal à 3 fois UN au carré plus 4UN plus 5. Avec le premier terme de la suite, U0 est égal à 2. Et ici, N est un entier supérieur ou égal à 0. Il faut calculer le deuxième terme, U1, de la suite. Alors, pour calculer U1, ici, pour voir petit 1 en indice, il faut que je remplace petit n par 0 dans la formule. Donc j'obtiens U1 est égal à 3 fois U0, je remplace n par 0 au carré, plus 4 fois U0, plus 5. J'obtiens donc U0, c'est 2. Donc 3 fois 2 au carré, plus 4 fois 2 plus 5, c'est-à-dire 3 fois ici 4, plus 8 plus 5, 13, 3 fois 4, 12, 12 plus 13, 25. Voilà. Pour calculer maintenant U2, je remplace n par 1 dans la formule. J'obtiens 3 fois U1 au carré, plus 4 fois U1, plus 5. J'obtiens donc 3 fois. U1, je l'ai obtenu ici, 25 au carré, plus 4 fois 25, plus 5. J'obtiens donc 3 fois. Si je veux calculer U2, je remplace maintenant n par 1, c'est-à-dire 3 fois U1 au carré, plus 4 fois U1, plus 5. Mais U1, je l'ai déjà calculé auparavant. Donc, j'obtiens 3 fois 25 au carré, plus 4 fois 25, plus 5. 25 au carré, 625. 4 fois 25, 100. 3 fois 625, plus 100, plus 5, j'obtiens 1980.